De contracter les fessiers, on a les épaules bien en arrière et on court, on prend 30 secondes pour chaque exercice. Allez, c'est parti. Et on souffle bien, on respire bien. Allez, allez. Super, et ensuite on va essayer de toucher son fessier. C'est avec ses talons, c'est parti. On a les épaules bien en arrière, on contracte encore bien les fessiers. Et on y va. On regarde bien devant soi. Allez, allez, au maximum de maximum. Vous donnez tout, les filles, vous donnez tout. Et toujours avec le sourire, toujours la patate, on est motivé, on a envie. Super, et c'est parti, corde à sauter, allez, allez, allez. C'est comme si on avait une corde à sauter dans les mains. On est à pieds joints et on y va. On a les épaules bien en arrière, on regarde bien devant soi et on souffle. Allez, on se dynamise là. Et on souffle bien. Super, et ensuite je vous explique. On va faire le squat. Donc pieds écart des épaules, on descend comme si on avait envie d'aller aux toilettes. On contracte les fessiers, on contracte les abdos. Et on descend, c'est parti. Allez, on y va. On lâche rien, on est ensemble. On se motive. Et vous soufflez bien. Super, et ensuite on va faire du lever de bassin. Qu'est-ce que c'est le lever de bassin? C'est-à-dire qu'on s'allonge, on a les bras le long du corps et ensuite on se relève. Toujours le bas du dos qui ne touche jamais le sol. C'est parti. Et on contracte les abdos et on contracte les fessiers. Et on ne lâche rien, on est ensemble. Allez, allez. Après, il reste un exercice et après, c'est une petite minute de pause. Super! Ensuite, on va faire le gainage ventral stable, c'est-à-dire on va se mettre sur les coudes. Les coudes, on va vraiment avoir le dos droit, on contracte les abdos, on contracte les fessiers. On n'est surtout pas comme ceci en accent circonflexe ou surtout pas comme ceci en train de creuser le dos. On a vraiment le dos droit. On a les épaules sorties, on y va. On contracte au max les abdos, au max les fessiers. Et après, on a une minute de pause. Allez, soufflez bien.
Si, on va faire de la corde à sauter et on ouvre en forme. Allez, c'est parti, on est. Allez, 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 allez. On souffle bien, on a bien les épaules en arrière. On regarde bien devant soi et on est sur la pointe des pieds. Allez, on lâche rien, on est tout ensemble. Super, et ensuite on enchaîne avec le jumping jack et on ouvre, on ferme, on a les épaules en arrière. On contracte au max les fessiers et au max les abdos. Et on y va et on sourit, on a la patate, on a envie. Allez, allez. Soufflez bien. Super. Et ensuite, on va passer au squat avancé. Au squat avancé, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on fait un pas en avant et squat. Et un pas en arrière. Et c'est parti pour 15 secondes avec la jambe droite. Allez, c'est parti. Allez, on y va. On ne lâche rien. On est tous ensemble. On se motive. Allez, allez, on souffle bien. Super, et ensuite on recule, et ensuite on passe en premier la jambe gauche, c'est parti. Allez. Super, ensuite on va enchaîner avec les fentes, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on fait un pas, on descend, on contracte les maximum les abdos, max les fessiers, comme ceci. D'accord? C'est bon? Et allez, c'est parti. Et on alterne. Allez. Il faut vraiment que la jambe soit à 90 degrés quand on avance. Et on a au maximum les épaules en arrière. Et on regarde bien devant soi. Allez, on alterne droite et gauche. Allez. Super, ensuite on s'allonge et on va faire du crunch bicyclette, c'est-à-dire qu'on est en position de crunch. Le bas du dos doit surtout être coaché au sol en position de crunch et on pédale avec les jambes les plus loin des abdos. On contracte les abdos, allez, 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 allez. Allez, on est ensemble, on est tous ensemble, on se motive. Allez, allez. On ne lâche rien, on a le sourire, on a la patate, on a envie. Super, ensuite je vous montre, on fait tout simplement lever de jambes, ça veut dire qu'on a les bras le long du corps, on a les jambes les plus droites possibles et on les monte. Et on souffle. En descendant, surtout, 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 vous n'avez surtout pas vos jambes qui touchent le sol. Allez. Soufflez bien. Allez, c'est motivant, c'est très dynamisant de faire du sport tous ensemble. Allez, on lâche rien. Super. Et ensuite, on va se mettre en position de donkey kick. Le donkey kick, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire tout simplement qu'on est comme ceci à quatre pattes. On ne creuse surtout pas le dos. On a les épaules sorties. Et c'est parti pour 15. Allez, allez. On y va. On se motive. 15 secondes, hein. Super, et on passe de l'autre côté, on ne creuse surtout pas le dos, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites attention à votre dos, donc ça veut dire que les épaules sont bien sorties. Super, ensuite on va faire du gainage du toucher épaule, c'est-à-dire que l'on se met comme ça sur les pieds et sur les mains et on essaye de toucher l'épaule droite avec la main gauche et vice-versa, c'est parti. On contracte au max les fessiers et au max les abdos. On a toujours les épaules sorties, bien évidemment. Et vous soufflez. Allez, encore un petit exercice juste après et après on a une petite minute de pause.
Allez, on se motive. Super. Et on se relève. Et toute petite course et on souffle bien. Là, c'est juste pour reprendre la respiration. Allez, on reprend bien sa respiration. On souffle bien. On regarde bien devant soi. Toute petite foulée, là. Vraiment toute petite foulée. Le but, c'est de ne pas s'arrêter, en fait, tout simplement, brutalement. C'est juste de faire encore du sport, de l'activité sportive, mais tout doucement pour bien reprendre son souffle avant la petite minute de pause. Super. Ah ! Eh ben, dis donc, quelle histoire. Hein ? Combien de collègues ? En fait, il y a 3 séries. Donc, la première série, c'était une série de 6 exercices. La deuxième série, c'était une série de 9 exercices. Et la troisième, c'est une série de 12 exercices. Comment ? Je suis pas sûre que j'avais envie de le savoir. Non, mais vous inquiétez pas. De toute façon, là, je vous donne encore 30 secondes de pause. Reposez-vous bien, respirez bien, buvez de l'eau. Parce que je vous promets que l'exercice juste après, la série juste après, elle est hard. Donc, on souffle bien. On souffle. Non, 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 Marie-Thérèse, vous restez avec nous, vous êtes vous. Allez les filles, est-ce que je peux compter sur vous pour repartir là? Oui. Ah bah c'est bon, allez on y va. Allez c'est parti mes petits choux. Allez, on court toute petite foulée. Et ensuite on enchaîne. Et là on enchaîne et on va suer. Allez on souffle bien. Allez, on a les épaules bien en arrière, on contracte au max les abdos, au max les fessiers. C'est un petit peu plus rapide que tout à l'heure. Hein. Alors, je vais vous expliquer le deuxième exercice. Alors en fait, tout simplement, on va être un petit peu en position de squat sans vraiment être en position de squat. C'est-à-dire qu'on va être comme ceci et on va sauter de part et d'autre. Ça s'appelle le side jump. Et on saute. Et on saute. Allez, c'est parti, on y va, allez, 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 allez. On lâche rien, on lâche rien. Et on souffle, bien, on a les épaules bien en arrière et on souffle. Allez, 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 allez. On lâche rien. On se dépense, on dépense tout ce qu'on a mangé aujourd'hui. Et on perd le gras, allez, 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 allez. On brûle les graisses. Le plus rapidement possible. Ah, j'adore cet exercice, il décrase, c'est un truc de dingue. Et ensuite, on va passer au squat tube. Alors, pour le squat tube, tout le monde doit dire youp en même temps. C'est-à-dire, on fait squat, youp, squat, youp. Allez, c'est parti. Youp, squat, tout en même temps. Allez, 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 allez. Squat, youp, squat, youp, squat, youp, squat, youp. Squat, youp, squat, youp, squat, youp, squat, youp, squat, youp, squat, youp, ouais, c'est cool. Et ensuite, on va enchaîner avec les fentes, comme tout à l'heure. Allez, on prend 3 secondes de pause. C'est parti pour les fentes, allez, on y va. Et on avance bien à 90 degrés. Allez, on contracte au max les abdos, au max les fessiers. On a les épaules bien en arrière. Et on souffle. Allez, on souffle bien. Super. Et talons, fesses, allez, c'est parti comme tout à l'heure. Allez, 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 allez. On donne tout, on essaye de toucher tout simplement son fessier avec ses talons. Allez, allez, on regarde bien devant soi, on fait attention à ses épaules. Hein. Vraiment. On a le dos droit.
Et on souffle bien, on a la patate, on a toujours le sourire. Génial. Et montez le genou, allez, c'est parti, on y va. Allez, on monte le genou le plus haut possible. Allez, on lâche rien. Allez, allez. Allez, super. Et ensuite, on passe en position de crunch bicyclette, comme tout à l'heure. Allez, on se repose. Allez. Les jambes les plus loin des abdos. Soufflez bien. Super. Prenez 10 secondes de pause avant que je vous montre l'autre exercice. C'est tout simplement les dons qui kickent comme tout à l'heure. Allez, c'est parti. Allez, on souffle bien, on a bien les épaules sorties. On a bien le dos droit. Allez, on a la fin de la séance, c'est bien respirer, c'est très très bien. Allez, on doit sentir son fessier travailler à ce moment-là. Super, et on passe de l'autre côté les girls. Allez, on y va. On fait très attention à son dos, qu'il ne se creuse pas, bien évidemment. Hein. Et on souffle bien, allez, 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 on ne lâche rien, on est ensemble, allez, 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 allez. Allez, mes petits choux, on y va. Super, et ensuite on va faire l'exercice du ciseau. Alors je vous l'explique tout simplement, on est en position de crunch, ça veut dire les mains derrière la nuque, sans les toucher bien évidemment, les jambes les plus droites possibles, et on monte et on descend, et on contracte les abdos, allez, allez, allez. On lâche rien. On contracte au max les abdos. On est ensemble, on fait du sport tous ensemble. Super, et ensuite on va faire du gainage haut et bas. Alors je vous explique, on est tout simplement sur les mains, on a bien les épaules sorties, on a bien le dos droit, on est surtout pour un accent circonflexe, et on descend, et on monte, et on descend, et si on peut pas, on fait juste du gainage ventral stable comme tout à l'heure, comme la première série. Allez. Allez. C'est bientôt fini. Super. Et ensuite, on va enchaîner avec la course. Allez, toute petite foulée, c'est pour reprendre sa respiration. Comment? J'ai pas entendu. On souffle bien les girls. Allez, c'est fini, c'est bon. Le supplice est fini, vous avez super bien travaillé, vous êtes en train de suer, comme moi je suis en train de suer, mais c'est totalement normal. Super, et on va passer aux étirements, les filles, aux étirements. Et là, on prend son... Ouais, on prend son pied, on a bien les épaules en arrière et on souffle bien. Allez.
Reprenez bien votre respiration. On regarde bien devant soi. Super. Et on passe de l'autre côté. Allez, on prend son pied, on attrape son pied, on regarde bien devant soi. Allez. Super. Et on attrape sa main avec l'autre main. Allez. Si, 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 là vous allez y arriver, vous allez voir. On est de plus en plus souple de toute façon. Allez les filles. Super. Et on passe de l'autre côté. On attrape la main avec l'autre main. Oui, c'est vrai. On se fait toujours la petite remarque. On fait ça, c'est marrant. On est toujours moins souple d'un côté que de l'autre. Allez, super. Et on se tire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire le plus haut possible. Et on s'abaisse. Et on relâche. Et on s'étire, 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 on s'étire. On s'abaisse. Et on relâche. Bravo! Bravo, 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 bravo. Je suis tellement fière de vous, les filles. C'est génial. Buvez de l'eau.